Bonjour Madame et Monsieur, et bienvenue au Tessin, amis de la Guilde. Je suis Claudio Tamborini, comme je dis, et je suis producteur au Tessin. Je présente ici trois vins. Un vin particulier, c'est le Bianco di Merlot, fait exprès pour la Guilde. C'est un Merlot, un blanc vinifié en blanc. C'est un vin qui vient de la région de Gudo. Gudo, c'est une petite région ou un petit village tout près de Locarno, entre Locarno et Bellinzona. Et le Merlot vinifié en blanc, c'est quelque chose qu'on a identifié et on fait depuis une quarantaine d'années. C'est un blanc de noir très intéressant et c'est fait en acier inoxydable. C'est un vin fruité, léger, qui a un potentiel de garde de 4 ou 5 ans. Et il peut tranquillement être bu comme apéritif, ou il peut accompagner des poissons ou des viandes blanches, etc. Le deuxième vin, c'est un Merlot traditionnel, Sanzeno, qui est produit dans la région de Lugano, dans mon vignoble de Sanzeno. Et il est fait sur un style bordelais, donc un vin assez puissant, rond, qui peut vieillir très bien. Certainement, c'est un vin qui fait plaisir. Il peut accompagner tous les plats de viande et tous les plats de charcuterie, etc. C'est aussi un vin dédié à la Guilde, comme vous voyez dans l'étiquette. Ça, c'est un millésime 2020. Et le blanc, c'est un millésime 2022. Le troisième vin, c'est Sanzeno Viognier. Viognier, c'est un cépage qui vient du sud de la France, dans la vallée du Rhône, qui était planté au Tessin il y a une vingtaine d'années. Et il donne un bon, soit pour le terroir que pour le climat, il donne vraiment une bonne qualité. C'est vraiment une spécialité. Avec le bouquet, un petit d'apricose. Et c'est un vin merveilleux qui est un peu différent de tous les autres, disons, blancs qu'on produit ici au Tessin. Merci beaucoup.